Un voyage avancé. Le 1er juillet prochain aura lieu l'inauguration de la statue de la princesse Lady Diana dans le parc du palais de Kensington, à l'occasion de ce qui aurait dû être son 60e anniversaire. Pour l'occasion, les princes Harry et William se retrouveront. Toutefois, selon les informations publiées par The Sun ce mardi 22 juin, il semblerait que l'époux de Meghan Markle, qui vit aux États-Unis depuis son départ de la famille royale en janvier 2020, doive avancer son voyage. En effet, le protocole sanitaire imposé par le Royaume-Uni depuis la pandémie de Covid-19 mentionne une période d'isolement de 10 jours. Ainsi, le frère du prince William devrait quitter ses enfants, Archie et Lily Bay, nés le 4 juin dernier, dès ce mardi 22 juin. Un véritable parcours du combattant puisque, dès son arrivée en Angleterre, il devra montrer un test PCR négatif et en subira également deux autres lors des jours 2 et 8 de la quarantaine. Des étapes très importantes qui lui permettront d'assister à cette inauguration en toute tranquillité. Pour sa venue au Royaume-Uni, comme lors des funérailles de son grand-père, le prince Philippe, le prince Harry devrait séjourner à Frogmore Cottage, aux côtés de la princesse Eugénie et de sa famille. CST à Meghan Markle et son époux que Frogmore Cottage avait initialement été offert par la reine Elisabeth II, avant de finalement être donné à la princesse Eugénie et à son mari Jack Brooksbank, suite au départ du prince Harry de la famille royale. Ainsi, afin que cet isolement se passe dans les meilleures conditions, le tabloïd indique que la maison a été aménagée en conséquence. Elle a été séparée en deux parties afin que la sécurité de chacun soit garantie. Cela signifie qu'Harry peut s'isoler dans une partie de la maison sans avoir à entrer en contact avec sa cousine et sa famille, peut-on lire. Une période durant laquelle le prince Harry se sentira très certainement seul puisque c'est sans Meghan Markle qu'il va effectuer ce voyage. Inauguration de la statue de Lady Diana, le prince Charles sera-t-il présent? L'inauguration de la statue de Lady Diana est un événement très attendu puisque celui-ci va permettre de réunir les princes Harry et William. Toutefois, CST sans leur père qu'ils rendront hommage à la princesse. En effet, le prince Charles ne devrait pas être présent puisqu'il a décidé de se rendre dans son domaine de Balmoral, en Écosse. Les garçons sortiront ensemble par respect pour leur mère, a d'abord déclaré une source à The Sun avant de préciser, la relation est toujours très tendue et rien n'y ne dit qu'encore qu'il y aura une sorte de rapprochement de sitôt. Parviendront-ils à se réconcilier prochainement ?